Salut à tous et à toutes! Bienvenue! Ah, oh, je vais laisser la musique un petit peu encore. Je laisse la musique encore. Allez. Ah, c'est techno. C'est à fond. Et j'espère que tout le monde va bien ce soir. C'est un live qui promet, que j'attendais de faire depuis très longtemps. La grande aventure Banjo-Kazooie. Le let's play que j'attendais de faire le plus. Je me suis mis à faire des streams, des lives que pour ça en fait d'ailleurs. J'attendais ce jour avec impatience. J'ai passé plein de lives à faire différents jeux sur différentes plateformes pour essayer de choper le coup de main pour voir si j'étais à l'aise pour faire des lives, etc. Juste pour ça. Juste pour Banjo-Kazooie. Alors, je vais peut-être baisser le son, par contre, chez moi. Hop, voilà. On va le laisser en fond comme ça. Du coup, ce soir, grande aventure Nintendo 64. Avec Banjo-Kazooie. Je sais pas jusqu'à quelle heure je vais jouer. Je sais pas jusqu'à quelle heure je vais faire ce live. Mais c'est un live qui va être énorme en ce qui me concerne. Parce que c'est un jeu que je connais quasiment par cœur. Ou presque. Et que j'ai dû finir une fois dans ma vie. Il y a, à mon avis, au moins plus de 25 ans, que j'ai retenté plusieurs fois par la suite de finir et de terminer, j'ai jamais réussi. Et je me suis dit, quitte à retenter un jour Banjo-Kazooie, autant le faire en live sur Twitch. Et c'était au tout début où je commençais à faire des petits lives comme ça de temps à autre. Et je me suis dit un jour, écoute, si tu veux être sûr que tu veux te mettre sur Twitch, que tu veux faire des lives, go, fais Banjo-Kazooie, et puis tu fais un let's play là-dessus, et puis tu verras. Tu verras si ça te plaît, et tu verras si tu y arrives. Et après, j'ai commencé quoi, en mai? Mai ou avril? Et quelques mois plus tard, il m'est apparu évident que, ouais, ça va être ma série de l'été, je vais faire ce let's play sur Banjo-Kazooie, ça y est, je vais le faire. Un jeu dont je suis ultra fan, qui est un élément de mon enfance hyper important. Ça va être vraiment spécial ce soir de jouer à ce jeu pour moi. Et ça va être bien sûr le live de la passion. Ça va être un live de la passion, de plein de choses en fait. C'est un jeu très dur. Il a pas l'air comme ça, les premiers mondes ont l'air assez simplistes. Mais c'est un jeu assez difficile et qui demande beaucoup de concentration. Alors, sachant que j'étais en soirée hier et que je suis revenu tard et que je suis très fatigué, je me suis levé à 8h du matin, ça promet d'être drôle. Donc, je me suis fait un café pour tenir et j'ai mis mon plus beau t-shirt à l'effigie des personnages du jeu, bien sûr, et pour me préparer à cet excellent jeu, quoi. Donc voilà. Voilà. Alors, Banjo-Kazooie, il est prêt, il est là, il est tout beau, il est prêt à être lancé. On va le lancer dans quelques instants, il faut juste que je récupère ma manette et que je la branche avant de se lancer dedans. Alors, où est-ce que j'ai mis cette manette? Par contre, j'aurais peut-être dû la brancher avant le début. Là, ça c'est vrai que... Ah, j'ai pas été fut sur le coup. Où est-ce que... Ah, elle est là. Parfait.
Alors, je vais jouer avec une manette PC Thrustmaster classique. J'avais prévu à la base de faire ce live avec une manette Nintendo 64 port USB. Malheureusement, cette manette-là n'a pas le joystick, on va dire, assez rapide, assez réflexe pour pouvoir jouer correctement avec. Donc, on va se contenter d'une manette de PC normale, standard. Hop là. Et on va préparer le lancement du jeu. Alors je prends beaucoup de temps parce que je veux vraiment que tout soit très très bien fait pour ce soir. Dans le plus possible en tout cas. Ah, je suis déjà dans l'ambiance. Rien que les musiques me rappellent énormément de souvenirs. C'est génial. Ça donnerait presque envie d'être déjà à Halloween en fait. Et c'est parti. Hop. Voilà. C'est bon, on y est. Alors je vais peut-être régler le son, mais après l'intro. Je vais couper mon micro et je vous laisse avec l'intro en entier. Oh là 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 là, ce jeu, mais ce jeu! 1998, je vais baisser le son par contre du jeu, attendez. Je vais peut-être baisser le son, parce que là il est vachement fort. Ouais. Je pense que là ça ira là, je pense que ça ira bien là. Donc, Banjo-Kazooie, nous y sommes. Alors, je vais faire une petite vérification par rapport à... Alors déjà, je vais disparaître de l'écran de jeu. Voilà. Hop. Ok, donc les commandes marchent. Parfait. Alors, on va choisir la langue, bien sûr, hein, bien entendu, comme n'importe quel jeu qui se respecte au début. Alors, comme je l'ai dit, c'est un jeu que je connais très bien et que j'avais déjà joué il y a un moment. Donc, bien sûr, je vais pas reprendre la partie que j'avais fait en off. Ça serait pas logique. La vide, vide. Donc, on va commencer une nouvelle partie. Je vais vous faire vite fait le speech du jeu. Banjo-Kazooie, à la base, est un jeu développé donc, par Rare qui devait s'appeler Secret of Mana ou un truc comme ça, je crois.
Et en fait, au cours du développement, le jeu ne... Non, c'est pas Secret of Mana, pardon, je dis n'importe quoi. C'est un autre jeu, ça n'a rien à voir. Mais ça devait être un jeu révolutionnaire de... pour Rare. Seulement, le concept de base ne plaisait pas. Il ne plaisait pas, finalement, au studio, qui a changé en cours de route. Entre-temps, on a Super Mario qui sort sur 64 avec un gameplay, un nouveau gameplay révolutionnaire. Rare décide d'adapter ce gameplay avec leur projet et de changer les personnages. Du coup, au lieu d'avoir un espèce de Link de RPG, on se retrouve avec un ours avec un sac à dos à qui va être ajouté un acolyte, Kazooie, l'oiseau rouge là. Et donc, on va se retrouver avec un jeu d'aventure incroyable qui a dépassé les espérances de Rare, qui est devenu un jeu culte de la Nintendo 64. Et aussi, du coup, mon jeu préféré de tous les temps. Du coup, le speech de l'histoire. Nous incarnons Banjo, aidé par Kazooie, qui est en haut à droite de l'écran, qui nous dit d'appuyer sur le stick. Et l'histoire, c'est simple. Notre petite sœur Dootie, qu'on voit en photo dans le cadre, a été enlevée par la sorcière Grundilda. Et on va s'aventurer dans le donjon de la sorcière pour aller libérer Dootie. En réunissant des pièces de puzzle, etc., à travers différents mondes, à la manière de Mario, pour accéder au niveau qui peut mener jusqu'à la sorcière. Le scénario est tout simple, il est tout simple, hein. C'est basé sur du Mario, bien sûr, comme beaucoup de jeux de la Nintendo à l'époque, mais il y a un truc qui fait la différence. Il y a la touche Rare, la magie Rare, et... Et je ne saurais pas expliquer autrement. C'est vraiment un... Il y a une ambiance particulière qui s'en dégage. Ne serait-ce que par la musique, le sound design. Enfin, voilà. Du coup, on va y aller. On va prendre la Nintendo. Allez, hop. Et je coupe mon micro parce que je vais vous laisser avec l'intro qui est génial. Allez, je vous dis à tout de suite.
On y est, Banjo-Kazooie, la grande aventure. Oui. Oui. Ah là 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 là, ça va être trop bien, putain. Je vais kiffer ma vie avec ce jeu. Alors, là, on va avoir deux choix. Soit on fait le didacticiel en apprenant toutes les touches, soit je passe. Ah mais cette discussion quoi entre les deux personnages. On dirait moi et mon meilleur pote, sérieux. Ah, le fameux château de la sorcière Godilda qui est quand même ultra stylé, je trouve. Ça fait vraiment repère de méchant. Y a pas de doute, hein, y a pas de doute possible. Alors il m'avait dit quoi? Ouais, est-ce que si je choisis d'apprendre les touches ou pas, appuie sur A pour apprendre les touches, les mouvements, ou B pour les passer. Alors ça fait un moment que je suis pas que j'ai pas joué. Donc on va apprendre les touches. Comme ça, ça va me permettre de réviser un petit peu ce que j'avais attribué comme touche à ma manette. De toute façon, le didacticiel est pas dur en plus. Hein, donc, enfin, il est pas long, je veux dire. On fait un espèce de monde... bah, c'est le tuto, quoi. On va apprendre les touches, ça va être assez rapide. Et puis, on va pas non plus trop traîner dessus. Allez. Donc, je vais essayer de sauter. Il y a un truc qu'il faut que je récupère, là. Mais ça, je viendrai... Il y a un truc là au-dessus du toit de la maison, mais je viendrai le récupérer après. Oh, mais cette musique. Profitez de la musique, sérieux. Oh là là, putain. Ça rappelle des souvenirs, sérieusement. Alors. Alors voyons tout d'abord les mouvements de caméra. Ouais bon ça. Ah, c'était l'époque où on passait des jeux 2D de plateforme à la 3D avec plusieurs vues de. Qu'on pouvait changer plusieurs vues de caméra quoi. J'aime bien Kazooie. Dans la façon de parler de Kazooie, il y a un côté Dylan. Hein, Lisa, je sais pas si tu pourrais confirmer, mais je trouve que la façon que l'oiseau a de répondre me fait penser à quelqu'un. Ah, donc ça, c'est bon. Voilà, ouais. Voilà, différents mouvements de caméra. Ça, pour suivre... La caméra suit automatiquement le personnage, quoi que je fasse comme mouvement. Ok, c'est bon. Bon, ça, c'est bon. Pour la caméra, on est bon. Alors, le double saut, ça, je crois, c'est le double saut. Dis-moi, tu ne sautes pas très haut. Ouais. Les tops savent sauter, peut-être. Ça va être trop bien. Ouais, maintiens le bouton A pour sauter plus haut.
Ouais, ça c'est bon. Allez, tête de plume, aide ton copain. C'est un ordre. Saute puis appuie sur A une fois en l'air pour faire un double saut. Ouais, c'est ça, donc c'est bien le double saut. Ouais, c'est bon. Bon, on peut se casser maintenant. J'adore comment il répond le piaf. J'adore. T'as pas une copie à trouver plutôt. Ah, j'en peux plus. Alors, par contre, le bouton Z, normalement, c'est la gâchette de l'Axe 64. Je sais plus quelle touche je lui avais donné. Attends, on maintient Z, puis appuie sur A. Courage. Ah oui, ça y est, c'est le R2. Ah, oh, punaise. C'est le L2, pardon. Ok. Voilà. Ah, j'ai bien fait de faire le tuto, hein. J'avais oublié la touche que j'avais attribuée à Z. Ok. Et donc là-bas, on va essayer de récupérer ce truc-là. Je suis une alvéole supplémentaire. Trouve 6 alvéoles et ta barre de vie, d'énergie sera plus grande. Voilà. Alors, dedans, on a plusieurs items qui pourront nous permettre de réussir les mondes. On a les morceaux de miel qui nous redonnent de l'énergie. Les alvéoles qu'on viendra amasser, si on en récupère 6, ça agrandit la barre d'énergie. On a aussi les plumes rouges qui nous permettront de voler, les œufs bleus qui nous permettront de tirer des œufs avec Kazooie, bien sûr. On aura aussi des espèces de petits trophées qui ressemblent à Banjo, qui sont en fait des vies supplémentaires, quoi, des bonus. Et plein d'autres choses. Il me semble, j'ai encore plein d'éléments que j'ai pas découvert. Dans chaque monde, il faudra récupérer des pièces de puzzle. Chaque pièce de puzzle nous permettra de compléter un tableau qui nous donne accès. Voilà, donc là j'ai ramassé un trophée. Voilà. Et chaque pièce de tableau nous permettra de compléter. Enfin, chaque puzzle nous permettra de compléter un tableau qui lui nous donnera accès à un nouveau monde. Et en fait, dans chaque monde du jeu, il faut au moins réunir 100 notes de musique. Pour pouvoir débloquer des portes dans le donjon principal afin d'accéder au repère de la sorcière. Voilà, tout simplement. Alors, je sais pas si j'ai bien expliqué, mais en tout cas, le concept est pas dur. Le concept est pas dur. Alors là-bas, je crois qu'il y a une alvéole encore aussi, là. On va aller la récupérer. Voilà. Et il y a en plus une vie supplémentaire ici. Ah, c'est bon. Oh, ça je connais par cœur, c'est bon. Alors, bon jeu, j'espère que tu n'as pas le vertige. Moi, ça va, apprends-moi à voler. Ah, vas-y, là, apprends-moi à voler, s'il te plaît. grapper un arbre. Ça, c'est très important, ça, grapper sur les arbres. Beaucoup d'items seront en hauteur, donc... Ok, alors attends, par contre, je vais regarder un truc, parce que... Là, voilà, il est là. Une alvéole supplémentaire, c'est parti. Pam 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 pam. Ça te dirait de nager. Allez, vas-y, pars petit là, petit, parle.
Ok, on appuie sur B pour nager, tout simple. Ok, ça c'est bon. Maintenant, on va faire le casse-rocher. Tu as besoin de ta copine à plume pour l'attaque bouscule-bec. On commence à m'aimer à ce que je vois. On attire le bouton Z, puis appuie sur B. Ok, ça marche. Voilà, ben c'est bon, je connais. Allez, hop, toi. Mon rappel, c'est bon. Ok, ça c'est fait. Maintenant, je crois que c'est le dernier mouvement à prendre et après on est bon. Je crois que c'est l'attaque aérienne. Alors génial, sur qui puis-je cogner comme un barbare? Pourquoi pas sur ton sale piaf? Quoi, approche un peu pour voir. Je plaisantais, ouais ça. Allez Banjo, tue. Allez Banjo, tue-le maintenant, tue-le. Ok, c'est bon. Bien joué, allez, encore une fois, ouais. Eh, moi aussi, je veux faire des trucs et des machins, là. Vas-y. Voilà. C'est maintenant le tour de ta volaille d'apprendre quelque chose. J'espère pour toi que ça en vaut la peine. Saute puis appuie sur B pour faire l'attaque coup de bec. Voilà, l'attaque coup de bec. Vachement cool, coup de bec. Voilà. C'est bon, je crois qu'on a tout. Ouais, on a tous les mouvements. On va pouvoir rentrer dans le donjon de la sorcière. C'est parti, mon kiki. Et voilà. Et on a notre barre d'énergie, du coup, qui va s'agrandir. Yo. Allez, c'est parti. Et du coup, à chaque fois que je tue un méchant, un ennemi, je récupère un morceau de miel qui me redonne de la vie. Voilà, tout simplement. Je suis sucré et plein d'énergie. Ouais, ouais, c'est ça. Avant, je pouvais pas blairer le miel. Et depuis que j'ai joué à ce jeu quand j'étais gosse, j'ai kiffé le miel. J'en bouffais non-stop. Abusé, quoi. Abusé. Mes dents en ont beaucoup souffert. Putain, mais ce château, quoi. Mais le château de la... Regardez-moi ses yeux. Salut, Navisor. Merci pour ton follow.
Comment ça va? Oh, l'ambiance! Oh, punaise! Oh là, j'ai tellement pas envie d'entrer parce que rien que cette ambiance-là est géniale. Ah ouais, quand même que franchement, ça a de la gueule, quoi, comme château. Ça fait vraiment un repère de méchant, quoi. Allez, on y va, c'est parti. Oui, maîtresse. Ah, on y est, c'est bon. Ce rire, quoi, ce rire, mais il est parfait. Ah, les pièces, la fameuse pièce de puzzle. On va la ramasser et après je vais vous montrer à quoi du coup elle sert en fait. Coucou, je suis une pièce de puzzle. Va vite chercher un tableau avec une pièce manquante. Yo, hop, on est bon. Du coup, le tableau en question, il est là-bas. Donc ça, c'est l'entrée du monde. Voilà, voici le premier monde, la montagne de Mambo. Tu dois trouver une pièce de puzzle pour compléter le tableau. Voilà, pour ouvrir la porte et compléter le tableau. La porte, bien sûr, vous voyez, est fermée. Et le tableau est là. Voilà, donc on complète le tableau, ça ouvre la porte, on accède au monde, et on n'a plus qu'à remplir les différents objectifs pour pouvoir avancer ensuite. On a la première pièce, gros naze. T'as mais ce piaf. Et voilà, hop. B pour enlever, pour tout mettre d'un coup, A pour mettre une pièce. Alors, Kill Kate, c'est quand que tu joues à Fortnite? Jamais. Jamais de la vie. Pareil pour LOL, jamais. Et on y est, nous y voilà. On commence l'aventure Banjo-Kazooie maintenant. On rentre dans le vif du sujet. Mouvement spécial à découvrir dans ce monde. Trouve vite mes topinières. T'inquiète, je sais où tu es, va. Non, Fortnite, c'est mort, mon pote. Alors, les Jinjo, ce sont des espèces de petits esprits, un peu comme des esprits de la forêt, ou un truc comme ça. Et en fait, dans chaque monde, il y en a 5 à trouver. Si on les sauve, tous les 5 dans chaque monde, on a une pièce de puzzle bonus. Et gambo, gambo.
Les gris-gris de Mambo. Les gris-gris à Mambo. Ah, donc ça, c'est les portes, les fameuses... les fameuses notes de musique qui nous permettent de déverrouiller les portes du... les portes du donjon. Un jeu à Patoon, ouais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est à l'époque hein, c'était la mode. C'était la mode à l'époque. Voilà, hop là, on récupère les notes. Ferme ta gueule, toi. Et capoca. Je vais beaucoup trop vite, je vais beaucoup trop vite. Faut que je ralentisse un peu moi. Je vais trop vite et je fais n'importe quoi. Voilà, donc en gros, j'ai déjà expliqué tout ce qu'ils sont en train de dire, donc... Donc ça se passe de commentaires, bien sûr. Alors, par contre... Nous, Juju, totem de Mombo, nous vouloir manger pierre bleue. Alors, pour eux, les pierres bleues, ce sont les œufs, mais j'ai pas encore appris la technique. Voilà, hop. Ah, je connais par cœur à force. Donc j'ai pas encore appris la technique pour lancer les œufs. Faut que j'aille où déjà? Ah, je crois que c'est au fond là-bas là. Mais j'adore ce jeu. L'ambiance est ultra enfantine, j'adore. C'est génial. Si tu veux te replonger avec nostalgie dedans, c'est juste parfait quoi. Vite!
Pas touché aux oranges là. Oh, Chimpy aime orange de Konga. Chimpy est des gros ours et drôle d'oiseau. Ah, que c'est un drôle d'oiseau, Kazooie, quoi. Yo-ho ! Oups là, j'étais un peu trop rapide. Il est temps pour toi, l'oiseau, d'apprendre la technique des œufs. Ah, enfin, voilà, c'était que c'est là. Appuie sur C bas, tu pourras ajouter les œufs. Non. Ah, ça d'accord, c'est les touches directionnelles que j'ai attribuées, ok. Que ça doit faire mal. La petite caille peut porter jusqu'à 100 œufs. Ok. Wow. Tiens, ferme ta gueule, voilà. Ours a battu Konga. Moi, t'en ai pris. Konga. Ah, je crois qu'il y a un truc à faire aussi avec les dalles en forme d'orange. Ouais, là, hop. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ah, je les collectionne là, c'est bon, je les enchaîne. Ah, le monde 1, on va le faire rapide, hein. On va aller voir, je crois qu'il y avait une topinière dans le coin là-bas, là. Ah non, elle est au-dessus, elle est en haut, putain. Elle est en haut, la topinière. Alors lui, on va lui donner les œufs qu'il veut, là. Merde. Putain. Allez, mange. Mange, salopard. Ah putain, je les ai foutus sur la même touche, les caméras et les œufs. Ah. Putain, ça va être dur. Ça va être très dur. Ah, punaise!
Ah merde. Oups. Voilà, c'est bon, allez, le dernier. Putain, c'était dur. Bon, va falloir que je change ça à l'avenir. Oh la vache. Va falloir que je réattribue les mouvements de caméra ailleurs. Alors par contre, la taupinière, où est-ce qu'elle est la taupinière? Je crois qu'elle est là-bas. Ouais, derrière. Là. Le turbo sprint permettra à Kazoo d'escalader certaines pentes. Ok. Cool, comment on fait? Maintiens le bouton Z et appuie sur C gauche pour diriger ensuite Kazoo avec le stick. D'accord. Ok. Cool, Banjo, tu as découvert tous les mouvements de ce monde. Parfait. D'accord, c'est bon. On va pouvoir monter les pentes. Mais avant... Et Kaponga. Ah, il ne manque plus qu'un seul. Ah, il est là. Et il me manque plus que 10 pièces de puzzle. On a presque fini ce monde, le premier. Et logiquement, les dernières pièces de puzzle se situent ici. Dans la termitière. Alors moi j'ai toujours cru que c'était des fourmis, mais visiblement il s'agirait de termites. Hey Grota, les ours sont interdits ici! Ta gueule, je suis pas gros déjà. On va pas pouvoir y aller. Je crois. À moins que. Non, je peux pas y aller. Bon, bah en tout cas, j'ai les 5 crânes. Donc on va aller voir Mambo dans sa cabane. Et donc Mambo, c'est le sorcier à qui appartient les gris-gris. Et en fait, à chaque fois, si on lui amène 5 gris-gris dans chaque monde, il peut nous transformer en un animal ou autre qui peut nous permettre d'accéder à des zones difficiles comme la termitière là. Donc on va aller le voir tout de suite. On va pas perdre de temps.
Ah, Mambo. Moi, Mambo. Moi, grand sorcier. Moi, aider ami, Banjo et bestiole avec plume pas propre. Plume pas propre. Eh, surveille ton langage, là, veux-tu? Les gris de Mambo cachés par sorcière. Trouve Gris-Gris et Mambo t'aider. Ah, Banjo à Gris-Gris. Marche sur crâne et appuie sur B. Le quatrième mur est pété. Allez. Je les connais par cœur, tous. Tous leurs trucs. Magie de Mambo, très bien. Pour changer comme avant, toi revenir, ok? Termite petite, mais pas mal pour premier sort. Mambo, besoin d'entraînement. Lui, grand sorcier, mais lui, débutant, tu vois. Oui. Ouh là là, alors attends. Ah, c'est bon. Hé, toi, où as-tu pris ce short? Je le veux. Je l'ai acheté à H&M. Il m'a coûté 30 euros. Sac ou sinon. Ah mais c'est des racailles en fait la termite là, c'est... Wesh, elle veut me raqueter mon short, mon sac. Ça va ou bien? Ok, il me manque une, il me manque une. Il me manque une pièce de puzzle, mais où est-ce qu'elle est? Ah, peut-être par là. Ah, elle est là, punaise. Tu as trouvé toutes les notes de ce monde. Parfait, très bien. Bon, je crois qu'on a trouvé tout ce qu'il fallait dans ce monde. Ouais, il me semble. Je vais peut-être remettre. Attends, je vais peut-être remettre ma webcam par contre. Ouais, voilà. Donc, je crois qu'on a trouvé tout ce qu'il y avait à trouver dans ce, monde-là. J'ai. Alors, je fais le compte. Merde, attendez.
Voilà. Alors, les crânes, j'en ai... Bon, là, c'est marqué 0. Vous voyez pas, c'est marqué 0, mais j'ai retrouvé les 5 crânes, les 10 pièces de puzzle, les 100 notes. Donc, on est bon, hein. On est bon. On est bon, on a débloqué, on a fini le premier niveau. Et ça n'aura pris qu'une demi-heure. À peine. Alors, chaque niveau pour ouvrir toutes les portes. Hein. Tu as ouvert la porte d'un monde, mes sbires chez toi feront une ronde. Où est-ce que je pourrais mettre la caméra par contre? Je vais déplacer l'écran de caméra un peu là, ici, là. Mais non, pas la... Ah putain. Voilà. Voilà, comme ça je gênerai pas les dialogues. Magie Mambo faible. Revenir ou magie au revoir. Bah magie au revoir, ça sert à rien de revenir. On a déjà fini le niveau. Oh oh. Mega Boomas. Alors, du coup, prochain monde, c'est dans cette direction. Ceci est une porte numérotée, fermée par l'un des puissants sorts de Grudilda. Vas-y, ouvre-la, Nabo, là. Ce n'est pas aussi simple que ça. Pour l'ouvrir, vous devez récupérer les notes de musique dans les mondes différents. Dans les différents mondes. Le nombre affiché sur la porte vous indique la puissance du sort. Le total de toutes vos notes collectées doit être suffisamment élevé pour briser le maléfice. Bah ça va, c'est, on a large quasiment le double. Yo-ho! Allez, on y va. Donc là, on a un tableau ici et un tableau là. Il y a différents tunnels. Ah oui, et ça, c'est Machine. Bon, on va voir le nom. On va aller lui parler maintenant, tiens. C'est la sœur de Grundy qui est qui elle est gentille. C'est une bonne fée. Oh, bonjour à vous, mes amis. Mon nom est Brétilda. Je suis la gentille sœur de Grundilda. Je vais vous aider à vaincre cette vieille peau. Ah non, cette vieille teigne, une bonne fois pour toutes. Je connais tous les secrets de Grudilda. Je vous en dirai 3 à chaque fois que vous me verrez. Notez bien mes paroles, mes petits poussins. Merde, j'ai rien pour noter. Merde. Ça vous permettra de reporter la victoire à plusieurs buts pour m'interroger. Ta petite sœur, laisse-la tomber. Tu peux courir pour me trouver. J'ai rien pour noter, plaise. J'ai un stylo, mais j'ai pas de papier. Non, j'ai rien pour noter. Merde. Merde. Ah, c'est quoi cette feuille ?
J'ai une feuille là. Non, c'est pas ça. Ah, s'il y avait une feuille. J'ai jamais de feuille quand j'en ai besoin, c'est dingue. Bon, tant pis, on verra ça après. Pour ôter les pièces déjà sur le tableau, appuie sur C, bas. Une fois le tableau complété, les pièces seront à jamais coincées dedans. Tant mieux, c'est ce que j'ai l'intention de faire. The Treasure Cove. Hop, c'est parti, on va aller voir les pirates. Ça vous dit les pirates? Oui, capitaine. Ah, c'est un téléporteur. Tu viens d'activer un chaudron magique. Trouve un autre chaudron de la même couleur que moi pour créer un raccourci. Ok. Ah, il y avait un crâne, j'avais pas vu, tiens. Je suis arrivé par là, du coup c'est là-haut. Ouais, c'est par là. Et hop là, c'est parti. Treasure Trove Cove. La baie au trésor. Salut matelot, voici la baie au trésor. De nouveaux mouvements sont à découvrir. Allez hop, c'est parti. Et c'est là qu'on va apprendre à voler avec Kazooie. Allez. Comme vous pouvez voir, il y a les fameuses plumes rouges. Putain de requin. Hop. On va essayer de récupérer la vie qui est là-bas, en espérant que le requin va pas nous bouffer. J'ai peut-être une idée. Ah, il m'a mordu, salaud. Mais je crois qu'on peut pas le tuer, lui, en plus, on peut pas le battre. Thank you.
Ah, il m'aura pas. Tu ne m'auras pas. Sacrifice nécessaire des points de vie. Alors, mon super saut te fera découler comme une flèche. Banjo. Ton petit poulet fera tout le boulot. Ah, j'avais oublié qu'on pouvait avoir de l'énergie avec lui. Ok, on est bon. J'avais vu un truc là. Attends. Là. Toi, viens ici. Mon nom est Lakey. Et j'ai une fuite. Mon ami poilu peut-il boucher le trou dans mon tuyau avec un caillou? Ok. La fuite est réparée. Je vais vider l'eau pour le gentil ours. Boule de poil, écoute donc ceci. Résous mon énigme et gagne un prix. Ouais, tu parles, je te connais. Hein. Attends, il est où ton Wii là? Eh frérot? Ah, il est là, putain. La porte s'ouvre. Tu as gagné. Mais pour la peine, je vais te découper. Foiré! Menteur! Pharisien! Ah, je t'ai écrabouillé. Voilà. Et la première pièce de puzzle, on est bon. Le puzzle. Le puzzle. Alors, où est-ce qu'on va? On va retourner vers le bateau, je pense. Ah.
Ouais, matelot, je suis le capitaine Blubber. Mon bateau a échoué, j'ai perdu mon trésor. Mais pourquoi tu vas pas le chercher toi-même? Je sais pas nager. Aiderez-vous un pauvre hippo? Nos problèmes aux hippo, on s'en charge. Ah ouais, ouais, on s'en charge, t'inquiète. Wow, je vais où là? Là. Tiens, monsieur l'hippopotame. Mon trésor, bravo les petits gars, voilà pour vous. Et je m'en vais dépenser. Il a dépensé sans compter. Il a dépensé sans compter, pépère. Ma petite caille. Enfin pouvoir voler. Allez. Oh,
J'ai raté une pièce de une note de musique. Voilà. Elle est spéciale cette atmosphère, il y a un silence là avec juste les bruits de la mer et les singes qui courent, qui sautent. Une drôle d'ambiance, j'aime bien. Trésor de grotte d'Ulda, ouais. Ah, je vais me gêner, tiens, je vais le prendre, attends. Yo-ho! On va tourner par là-bas. Alors, attends. Ah, c'est punaise. Ah, je suis dégoûté, putain. Ah, je peux pas y aller. Thank you.
Voilà. Alors là où je l'ai fait, là je l'ai fait le bateau. On va aller par là-bas, vers le fort là. Merde! Oh, c'est des œufs! Putain! Ah bah, il y a un fort, parfait! Il y a une ruche, pardon, un fort. Il m'en manque plus qu'un. Deux crânes épais. Hop là. Merde, 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 non, 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 nage pas, con. Ah, punaise. Putain. Voilà. Panem,
Attends, y'a rien là? Non, bon. Merde! Non, je voulais pas! Non, 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 non! Nash, allez! Putain, on l'a devancé de ouf! Je suis chié dessus au requin, moi. Ma fouille. Là, ça marche pas. Ça lui fait rien! Alors, suis les flèches et trouve le trésor. T'as con ! Putain, j'ai appuyé trop tôt ! Putain, fort que je nage là. Non, il est derrière. Foiré. Putain. Vache. Moi, j'ai que 2 points de vie, quoi. Je vais pas mourir maintenant, quand même. Ce serait idiot. Hein? Voilà, ça c'est fait, on est bon. Et bon.
On va remonter là-haut, il y a un Django, le dernier là, le dernier petit lutin à récupérer là. Et on a presque fini le niveau, je crois, hein, il me semble. Ouais, mais j'ai presque fini le niveau. Il me reste quelques notes de musique à trouver et une pièce de puzzle aussi. Et le lutin, du coup. Et je crois que le lutin va nous la donner, la pièce de puzzle manquante. Et voilà! Ah, il m'en reste deux pièces, d'accord. Ok, il manque une pièce du coup. Une pièce et 6 notes de musique. Une pièce de puzzle et 6 notes de musique. Et je crois savoir où est-ce qu'ils sont, où est-ce que c'est caché. On va y aller rapidement. Là, cette plage est à moi. Pas question de faire un pas sans le demander. Poliment. Oh, s'il vous plaît, monsieur le gros crabe. On peut se balader sur votre plage. Vas-y, là. Pas question. Quoi, tu cherches le contact, gros naze. Putain, c'est une caïra, j'adore. Ah oui, merde, c'est vrai, les œufs, ça sert à rien. Putain, j'ai oublié. Va falloir aller au bec d'assaut. Voilà, ça y est. Ah, bâtard. Merde, je vais t'avoir, bâtard. Putain. Mais merde! Putain! Faut tout recommencer. Ah putain. On va aller le voir direct celui-là. On va le voir direct. Comme ça on speed le reste. Vas-y. On va lui régler son compte à ce gros naze. Enculé. Chier. Casse ses couilles. Ouais, ta plage, tu vas voir ta plage, je vais en faire ta plage. J'aime le faire. Ah
Allez là, y'a quoi maintenant? Vas-y, viens! Oh putain! C'est bon. Je pouvais pas l'avoir tout à l'heure. Hein. Je te jure. On va essayer de récupérer toutes les notes de musique. On sait où elles sont, elles. Ça, c'est bon. Ah, il y avait l'hippopotame triste aussi à refaire du coup. Non, on va pas refaire les bugs. Merde. On va pas refaire les dialogues non plus. Merde! Hey!
Ouais. C'est vrai que j'avais déjà battu celui-là. On va juste récupérer une note de musique et lui casser la gueule. Tous les trucs. Hop, ça c'est fait. Merde. Pas de requin là? Tiens donc, y'a plus de requin. Oui.
Alors ça c'est bon, j'ai déjà fait, c'est pour une pièce de puzzle. Mais les pièces de puzzle, je les ai toutes trouvées dans ce monde, donc on va juste se contenter de refaire les... Ah merde. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien non plus, ça vaut pas le coup. On est bon. Allez, la pièce là, les notes de musique, 85. Il m'en reste une petite quinzaine là. Allez. Et je crois qu'elles sont au niveau du phare si je ne me trompe pas. Donc il va falloir qu'on retourne sur le bateau. Ah, il y en a là-bas. Oula. Remonte s'il te plaît. Voilà, et descend. Ah ! Ah, des fois les caméras, franchement, la caméra 64, des fois elle avait vraiment du mal. Mal géré. Ah putain. Déjà toi viens ici toi. Toi et tes amis, vous êtes un peu chiants hein, quand même. Ouais, tu viens de battre ton total de notes de musique, t'inquiète. T'inquiète. Ça c'est bon, c'est fait. Là-bas, hop. Et les dernières, on y est.
C'est bon, on va pouvoir sortir. Enfin, ça y est, on l'a fini. Ah non, je voulais pas du tout plonger. Allez hop. C'est bon, on a fini le niveau. Allez, on se casse. Ouh. Eh ben. Génial, ton meilleur score est de notes pour ce monde. Et maintenant, de 100. Eh oui, on l'a complété, c'est bon. Maintenant, le prochain monde, il me semble que c'est l'espèce de marécage ou... Non, les égouts. Ce sont les égouts. Et les égouts, c'est là-bas, mais le chemin est bloqué, donc il faut remonter dans le hall d'entrée où on était arrivé tout à l'heure. Et on va débloquer le tableau. Voilà. On va compléter le tableau pour débloquer l'entrée. Ça. Alors. Si tu veux placer toutes les pièces en une seule fois, appuie sur Z. Ok. Ah, c'est sûr que là, c'est plus rapide. Hein. Bon. On va essayer de faire ce niveau-là. On va essayer de faire ce monde. Et après, je pense que on va arrêter pour ce premier soir de Banjo-Kazooie. Parce que je commence à être bien crevé. Donc on va tenter de faire celui-là. Parler, c'est quoi ça déjà là? Tu vas d'activer un chaudron de téléporteur. Pareil, là-bas, c'est quoi, ça?
Ah bah voilà, c'est ça, c'est pardon. Ah, c'est le monde machin. D'accord. Bah c'est par là l'entrée. Mais du coup, le passage sous l'eau, c'était quoi, le tunnel? Moi, je vais retourner voir ce qu'il y avait. Là, là-bas, là. Ah oui, c'est la grande forêt. Click Clock Wood. Bon, on y retournera plus tard. On va aller faire notre... Ah, il y avait un bonus. Ah bah c'est parfait. On va aller faire le dernier niveau de... Le dernier monde de ce soir. Et on y retournera une prochaine fois, je pense. Je crois que celui-là, je l'ai jamais fait... quand j'ai voulu retenter plusieurs fois, d'ailleurs. Banjo-Kazooie. Je crois que j'ai jamais fait ce... Je suis jamais allé jusqu'à ce niveau-là. Je suis allé jusqu'au manoir hanté. Ouais, je suis allé jusqu'au manoir hanté, puis l'Égypte, le monde égyptien. Mais j'ai jamais fait celui-là, je crois. Alors, par contre, pour accéder à celui-là, qu'est-ce qu'il faut? D'accord. On fera ça à la fin, ça. Allez, c'est parti. Les égouts. Clunkers Cavern. Ce niveau-là, il va être très très chiant. C'est un niveau sous-marin. Donc c'est pour ça que je pense qu'on... Après celui-là, on va arrêter. Parce qu'il va être très fatigant, je pense. Ouais. À mon avis, je vais mourir plusieurs fois. Un seul mouvement spécial à apprendre dans ce monde, mais il est bien caché. Oh putain, ça va être dur. Oh là là. Ah, les petites plumes d'or. Une plume d'invincibilité, voilà. Ah, bâtard! Ah, il m'a eu, j'ai pas fait gaffe. La caméra est traître. Encore un rock qui repop pas tout de suite. Hein. Putain.
Ok, alors, par où je vais? Ah merde, faut que je plonge. Ouais, faut que je plonge. Comment dire que j'ai pas envie de plonger? J'ai pas envie, mais je suis obligé. Glanker est mon nom. Je suis le broyeur d'ordures de Grunty. J'ai besoin d'air. M'a fait rater une pièce de note, une note de musique. Alors, on va faire un petit tour de caméra, on va analyser tout ça. Ok, là j'ai une plateforme. Plateforme, plateforme, ouais. Ok. On va récupérer les plumes d'or. Merde ! Culé ! Putain ! Alors ouais, je viens de crever, mais non, j'ai pas des vies illimitées, j'en ai à peu près 9. En fait, il y en a 9 qui s'affichent au total, mais j'en ai récupéré 12. Donc vu que je viens de perdre une vie, concrètement, j'en ai 11. Là, il m'en reste 11. Le compteur s'est arrêté à 9. Mais j'ai 11 vies. Ouais, ton mouvement spécial, ouais, je sais, ouais. Ouais, ouais, ce sera le dernier monde de la soirée, après on va arrêter. Quand je garde une distance. C'est bon. Pas besoin de récupérer le crâne, d'accord. On va récupérer les plumes d'or, c'est important. Le broyeur d'ordure, on sait. Y aller. Oui.
Ah, punaise. Ah ! Bon, on va plonger, on va voir ce qu'il y a en bas. Ok, d'accord. Oh putain, oui. Allez, hop, on nage. Ah, yes. Voilà, ça c'est fait. Ok, alors, il va falloir que je me concentre un peu. Bon, ensuite. Là, il y a une plateforme. Punaise, je l'ai même pas vu. D'accord.
enfoiré. Je retourne là-bas. Eh merde! Ça va être dur, ça va être très très dur. Voilà. Alors. C'est pour rien, je sais. Ah ouais, ah oui, c'est vrai qu'il faut que je le fasse remonter. Alors là, ça va être très très chiant. Bon, on va faire ça. On va essayer de le remonter. Mais ça va être très chiant. Il va vraiment falloir que je remonte suffisamment pour lui donner de l'air. Ah putain. Mec, sérieux, casse-toi. Ça va être dur. Il faut que je passe dans une clé. Elle est où cette clé? Oh, elle est tout au fond quoi. Sérieux, remonte, je remonte. Faut que je reprenne de l'air là, ça va pas. Il faut que j'analyse le truc avant de m'y jeter là. Parce que là, dingue, il me reste que deux. Allez. Alors, dans l'espèce de trou, il y a un espèce de poisson qui lâche des bulles d'air, mais c'est très casse-couille à attraper aussi. Thank you.
m'en fous de ton nom, dégage! Allez, remontez les gars, remontez vite, 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 vite. Banjo, Kazoo, remontez vite. Ouf, allez, allez, allez. Oh, putain, la vache. Ah, je la refais pas deux fois, hein. C'est mérité ça, ça c'est mérité. Clunker a mal à une dent. J'ai mangé trop d'ordures. Je sais quoi faire. Ah oui, putain, ce truc chiant à faire aussi. Pourquoi c'est pas bon? Pourquoi c'est pas bon? Ah punaise, non. Perdu du temps. Mais non! Ah, j'ai perdu du temps. Bon, c'est foutu. Allez, on va attendre pour recommencer. Thank you.
Voilà, c'est bon. Pouf. Dur, 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 dur. Il y a quoi par là, mais on va pas y aller tout de suite. Bah, Mexico. Yo, ça dit quoi, gros? Bah écoute, ça va, hein, ça va, ça va. Ça fait un petit moment que je suis en live là, bientôt 3 heures sur ce jeu, Banjo-Kazooie. C'est là, je fais un dernier niveau pour ce soir et je pense qu'après je vais arrêter. Là, j'essaie de faire ce niveau là, qui est pas évident, vraiment très difficile, mais après je vais arrêter pour ce soir quoi. Pas mal fatigué donc. Waouh. Ah bah là il est là enfin la topinière. Alors ce mouvement te permettra à ta volaille de te protéger avec ses ailes. Enfin putain. Ça va être fun. Alors maintiens Z et appuie sur C droit. Garde le bouton Z et utilise le stick pour te déplacer. Tu peux transporter que 10 plumes d'or. Tiens, on va à la 5 pour te protéger. Pour t'entraîner. Ton énergie est faible, je vais arranger ça. Voilà. Tu connais maintenant tous les mouvements de ce monde. Parfait. Yo-ho! Ok, c'est bon. Alors, ce passage en bas, je l'ai fait. Là, je l'ai déjà fait, c'est la tête. Là, j'ai fait là-haut. Et du coup, les tripes, je viens de le faire. Bon, bah, on va sortir du robot. On va les passer par là, tiens. Y'a quoi en bas, par contre? Ça marche, Mexico, bonne nuit. Alors.
faire un trou dans la dent là. Et voilà. Aussitôt, on est venu et on est parti. Est-ce que je tente de récupérer le lutin en bas? Je vais vraiment essayer, mais punaise, je suis pas sûr. T'es où, saloperie? T'es de l'autre côté, punaise! C'est bon, on a récupéré de l'air grâce au poisson. On va remonter. Allez. Tranquillement. Ok. Tiens, on va aller par là, tiens. On a trouvé 4 ou 5 pièces de pulse, donc il m'en manque encore un peu. Ah, c'est par là où je suis arrivé, ça. Oh non, bâtard! Putain, je suis con, j'ai pas repris l'air avant, chier. Bon, laisse tomber les lutins, je vais pas les chercher, hein, ça va. J'ai au moins 20 pièces de puzzle, ok. Non, je crois qu'on va arrêter là, je vais arrêter là. On va sauvegarder ici et puis c'est tout. Mmh.
Hop. Oh oui, ouais, je vais aller me coucher. Oula, je suis fatigué là, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, je vais aller me coucher, je pense. Alors, on va voir le total, par contre. Alors. Nous avons 6 plumes d'or, 20 pièces de puzzle, 16 crânes, 49 plumes, 81 œufs et 273 notes. Ok, très bien. On va essayer de faire ce truc-là, tiens. Un petit bjib j'ai acheté. Une fois mince, je la mettrai. Ah. C'est quoi ça du coup? Qu'est-ce que j'ai débloqué? Ah, c'est le monde du marais. Le tableau du marais, je crois. Ouais, c'est ça. Les marécages. Bah écoutez, je pense que pour le niveau des égouts, c'est bon. Au pire, on refera ça, peut-être qu'on refera le niveau des égouts une prochaine fois. Mais là, je crois qu'on a assez de pièces de puzzle pour aller jusqu'à... Et de notes de musique jusqu'à... pour aller jusqu'à là-bas. Donc je pense qu'à la prochaine fois, on va aller faire le monde du marécage. Ça sera fun. En attendant, on va essayer de s'y rendre et puis après on va arrêter. On va essayer de s'y rendre et puis on s'arrêtera là pour ce soir. Ah, on va voir où est-ce que ça se passe, du coup. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire, merde. Non! Voilà. 180. C'est bon, j'ai assez de notes. Oh putain, mais là... Hop là. Non mais la démesure du personnage, hein, est à son comble. Là-haut, y'a quoi là-haut? J'ai assez. Ouais, j'ai assez. Yes. Alors on a débloqué 3, au moins 3 ou 4 mondes là. Par là-bas, c'est quoi? Alors je sais plus si c'est le monde du marécage ou si c'est l'Egypte par là. Ouh,
Ok, ça c'est le monde du marécage, je crois. Voilà, donc par là, c'est le marécage. Ok, très bien. Ah, ça c'est machine, on s'en fout. On refera les différents passages beaucoup plus tard pour parler avec la bonne fée, la marraine la bonne fée. Parce qu'elle a des infos intéressantes sur Grundilda lors du combat final, donc on reviendra lui parler plus tard. Une fois grosse, ta sœur d'outil mangera du pain avec son riz. Et par là, du coup, c'était quoi? Ah bah, c'était l'Egypte. Bah, est-ce que j'ai assez de pièces de puzzle pour débloquer le niveau égyptien, justement? On va voir ça tout de suite. Ah, il est bloqué. Ok. Là, il faut à peu près 350 notes de musique. Ok, d'accord. Bon, ça, on fera ça plus tard. Et du coup, c'est bloqué, le reste est bloqué. Non, là, ici. Là, les notes de musique, c'est 450. Ouais. Et là, c'est bloqué. D'accord. Oh. Aïe. Par là. Ah, le niveau enneigé. Le niveau... J'appelle ça le monde de Noël. C'est le niveau de Noël, littéralement. Le calendrier de l'Avent, gigant. Ah, j'adore. Ah, les baskets, faudrait qu'on les débloque aussi. Là, on est assez loin, hein, par contre, au niveau des, au niveau du de la tanière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder et quitter le jeu. Et aïe. Et on refera les autres mondes une prochaine fois. Je pense que la prochaine fois, on va faire le marais, bien sûr. Et dans la foulée, on fera le monde égyptien. Et on débloquera, on aura assez de notes, j'espère, pour débloquer du coup les prochaines portes. Alors on va y retourner du coup. Voilà,
Ça c'est bon. Il y a un truc qui est là qu'il faut péter. Ah, c'est les bottes. Ça, on les... ça, on va les découvrir dans le monde du marais, justement. Je suis arrivé par là, ouais. Et ça, c'est quoi, ça aussi là? Il y a un autre truc. T'as ta chaudron ici. Merde. Ah mince. Là. Ok, d'accord. Bon, et eh ben écoutez, on va s'arrêter là, je pense. Allez, je sauvegarde. Alors, par contre, il y a une chose intéressante et très marrante quand on sauvegarde le jeu, c'est que il nous affiche un game over. Êtes-vous sûr? Oui. Bah, pour le jeu, sauvegarder et quitter, c'est game over. Ah, je vous laisse cette cinématique très frustrante pour terminer la soirée. Vous allez voir la bombasse que ça va être, Grand Dicta. Oh là là, le canon! Oh le canon! Et voilà. Voilà, c'était Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie avec un écran de Game Over gratuit, totalement gratuit. Hein, on n'a pas perdu. Alors, je répète, j'ai pas perdu. Au contraire, j'ai fini les mondes, j'ai débloqué des niveaux. On a juste sauvegardé et quitté parce qu'on... Voilà, il va bientôt être 23h30. Moi, je suis fatigué. J'ai faim. On est en live depuis 3 heures et on a quand même pas mal avancé. Donc je trouve que c'est pas mal déjà. Je trouve que c'est pas mal franchement. Et voilà, donc la prochaine fois on reprendra avec le niveau du marécage qu'on a débloqué. Et ensuite le niveau de l'Égypte antique. Mais pour débloquer l'accès au niveau Égypte antique, faudra terminer le niveau du marécage. Donc on va être obligé de le faire à fond. On pourra pas, on va dire entre guillemets, le sauter un petit peu comme j'ai fait avec les égouts qui étaient hyper durs. Trop dur. Donc voilà, donc on va se quitter un peu avec une petite musique quand même, histoire de pas se quitter dans le silence ou quoi. Je vais nous mettre une petite musique. Bah, on va rester dans le délire Banjo-Kazooie quand même. Hop. Et puis voilà quoi. Ouais, c'est ça. Hop. Voilà. En tout cas, moi, j'étais très, très content d'avoir fait ce soir ce live Banjo-Kazooie. C'était super cool. Ça va revenir très, très vite. Je pense pas que je le ferai tous les dimanches non plus. Mais en tout cas, l'aventure Banjo-Kazooie est lancée. Prochain épisode à suivre très, très bientôt. Et bien sûr, cet épisode sera disponible sur la chaîne YouTube quand je l'aurai faite.
j'ai eu beaucoup, pas mal de retard, j'ai eu pas mal de soucis, donc la chaîne YouTube arrivera avec toutes les rediffs, toutes les vidéos. Il y aura la série Dinosaur Fossil Hunter, Banjo-Kazooie, il y aura Oblivion aussi dessus, et des rediffs de live que je ferai pas forcément en cut ou quoi. Donc voilà. Bah écoutez, messieurs, dames, moi je vous laisse. C'était Attilazorus sur Banjo-Kazooie. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et si vous regardez la rediff, bah j'espère que vous apprécierez également. Moi en tout cas, je vous souhaite de bonnes nuits. Je vous dis à la prochaine et ciao.